ici la voix. Bonjour Christophe. Bonjour la voix. Ravi de vous rencontrer, enfin, vous entendre. Ah ben non, c'est pas mort du tout. Officiellement, c'est pas mort. Officiellement, c'est pas encore vivant non plus. Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a fait une saison 9 très réussie. Les fans de l'émission ont adoré l'émission. On a fait, vous savez, des études d'image aussi. C'est important sur le public pour savoir comment il a perçu l'émission avec la nouvelle animation, la nouvelle formule, puisqu'on avait un talk tous les jours, le débrief sur NT1. Tout a été vraiment très apprécié par le public. Pour tout vous dire, d'après ce qu'on m'a dit, c'est la meilleure étude qu'il puisse y avoir en 9 saisons de Secret Story. Donc je pense que c'est une émission qui en a encore beaucoup sous le pied. Donc je sais que TF1 a envie, que Endemol a envie, que moi j'ai envie. Après, il faut réussir à tout le monde se mettre d'accord en gardant la même qualité à l'image, parce que c'est ça qui est important. Le public qui est fan de Secret Story est très exigeant. Donc j'ai bon espoir. En tout cas, il y a une envie, ça c'est sûr. Et il y a une vraie satisfaction du bilan de l'année écoulée du Secret Story 9. Merci d'être là, tu es le poste tous les jours. Moi en tout cas, je suis prêt à repartir. Et ce que je peux vous dire, c'est que les casteurs, ils bossent chez Endemol depuis des mois, depuis la finale de l'année dernière. Depuis novembre 2015, les casteurs sont à fond, ils travaillent. Et d'après ce qu'on m'a dit, il y a des profils énormes. Donc vraiment, j'espère que l'émission va être signée pour que tous les téléspectateurs puissent découvrir ces nouveaux candidats qui, à mon avis, ne vont pas les décevoir.